Bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur le jeu Junkyard Truck. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est monter donc les moteurs hein, comme on avait prévu de faire ça ensemble. Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait de mon côté. Alors, attention petite lumière, voilà c'est beaucoup mieux. Donc j'ai retapé ce moteur, pas entièrement, il y a encore 2-3 pièces qu'on va mettre ensemble. Mais voilà il est vraiment très propre. Je vais juste trouver la porte du garage du coup. Donc ce qu'on a l'intention de faire c'est, vous savez quoi, je vais ramener le pick-up tout de suite ici. On va mettre le V8 dans le pick-up qu'on avait récupéré, donc souvenez-vous l'épave. Hein. Voilà, on va mettre ça à l'intérieur, comme ça on est bien. On fera bien sûr un essai sur route pour voir comment il se comporte ce nouveau véhicule, tout simplement. Donc on est parti, je vais essayer de mettre ça à l'intérieur. J'ai bien sûr toutes les pièces à l'arrière, hein, toutes les vieilles pièces que je ramènerai à la déchette, enfin du moins à la casse, pour récupérer un peu d'argent. Ça démarre superbement bien, c'est magnifique. On va t'installer sur le pont élévateur, bien sûr. Encore un petit peu, stop, parfait. Comme ça on devrait être pas trop mal, je pense, les amis. On est très bien, donc on va monter le pick-up, bien sûr. C'est parti. Oh, j'ai pas... Oh là là, tout va bien? Bah, je pense que ça devrait le faire, les amis. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, on va monter le carburateur ensemble. Il restait le carburateur, il restait 2-3 petites pièces, et puis on aura terminé le moteur. Alors, comme dit, je vous ai épargné tout ça, parce qu'on l'a déjà fait 2 ou 3 fois hein, dans la saison 1, dans la saison 2. Donc, à force, ça risque d'être un petit peu saoulant pour vous. C'est pour ça que je voulais mettre juste 2-3 petites pièces avec vous. Donc voilà, je voulais encore vous remercier infiniment. On a dépassé les 15 000 abonnés. C'est juste magnifique. Il fallait dire les 15 millions, mais on est très loin, full. Arrête de fantasmer. Donc merci du fond du cœur pour les 15 000 abonnés, les amis. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, je tenais quand même à vous le dire dans cette vidéo. Donc on va mettre encore... parfait, la petite courroie. Il nous fallait le gros ventilateur, bien sûr, pour refroidir le moteur. Il se place ici, c'est parfait. Alors à mon avis, celui-là, il est bon. On avait déjà de l'huile à l'intérieur, logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc on va démonter l'ancien. Alors pour ce faire, voilà, c'était juste ici, les 4. Alors je ne sais pas si la boîte de vitesse, mais il faut que je remplace la boîte de vitesse aussi. Pourquoi il y a une vis qui traîne là? Je ne sais pas, on va faire comme si on n'a rien vu. Donc là, on démonte ici. Parfait. Oh, il est dans un sale état lui par contre. Oh, va falloir que je remplace aussi ça. Hein. Quand j'ai un petit peu plus de sous, parce que là forcément ce n'est pas la joie. Voilà, ça saute. Ça, du coup, c'était attaché ou pas? Oh, d'accord, ben, le moteur, c'est bon. Le moteur est sorti. Peut-être que la boîte, maintenant, va tomber. Je vois qu'il y a un logo. Parfait, la transmission V8, elle saute. Je vais pouvoir mettre ma transmission d'origine, comme auparavant, à part qu'elle est neuve. Forcément, j'ai acheté en neuve. Voilà ce qu'il faut la boulonner. Je ne crois pas. Donc ça, c'est le moteur donc V8 pour le vieux pick-up, pour l'épave. Et là... je prends ce moteur pour remettre dans ce véhicule. Voilà, ça s'est emboîté apparemment. Alors désolé pour bouger en dessous, c'est pas évident. Donc, oh, je peux pas serrer plus. D'accord, pourquoi? Quel est le motif? C'est pas grave. Je crois qu'il y a encore un petit bug au niveau des vis, hein, j'ai l'impression. De toute façon, on verra bien si ça roule pas, c'est qu'il y a un problème. Alors, je suis désolé, j'arrive pas trop à m'avancer. Le pont, il est bien, mais pas trop finalement. Alors attendez, c'est où les... pourquoi d'un coup il est tellement bas? J'ai l'impression qu'il est vachement bas là du coup, non? Oh! Oh là là là! Qu'est-ce que j'ai fait? Les pièces sont à l'arrière, parfait. Est-ce que ça démarre? Est-ce qu'il y a un semblant de vie? Oui. Parfait. Par contre, il n'avance pas, donc à mon avis, il y a un problème avec la boîte. Certainement. On va donc remonter tout ça. Ça me fait tellement peur. Il fait encore... Oula! Ah oui, bah oui, il n'avance pas. Bah forcément, j'ai pas mis le... Ouais, le transfert case, voilà. Ça irait beaucoup mieux du coup. Alors comme ça, je vais sortir celui-là, je vais le monter le V8 sur le vieux, comme je vous l'ai dit. On sera pas trop mal, donc la transmission, pareil. Hein. Je la laisse pour l'instant sur le côté. Alors si je trouve l'autre moteur, enfin l'autre bloc moteur, je sais pas où il est sur la carte, mais il y a un bloc moteur qui est planqué. Donc du coup, je remettrai un V8 dans ce pick-up. Et l'idée, ça serait par contre de mettre un biturbo dans celui-là, comme vous me l'avez conseillé, et de mettre un petit turbo standard sur le pick-up là. Ça serait vraiment pas mal comme idée. Donc c'est quoi, je vais juste l'avancer peut-être. Comme ça je vais mettre l'autre en place. Enfin non, l'autre je peux pas le mettre en place, c'est vrai. Tu veux plus? Ah, tu m'as fait peur un instant. J'ai eu peur. Alors attends, hop. On va pas taper dans l'autre. Donc du coup je pourrais pas le monter, va falloir que je fasse ça à l'ancienne, avec la petite planche à roulettes là. Voilà. Impec.
Fermeture des portes. Alors du coup, ça rend comment? C'est bon? Ça devrait être bien installé, oui. Alors ça fait plaisir de voir un moteur neuf, hein. On l'a jamais eu aussi propre, regardez-moi ça. Alors il y a encore le transfert case qu'il faut que je remplace. Le truc de transfert. Je vais par contre le surélever, peut-être pas aujourd'hui, la prochaine fois. On fera vraiment un gros 4x4 off-road, ce serait pas mal. Et donc celui-là, on va te mettre le petit V8 que tu mérites, mon gros. Donc là, il n'y a pas de problème, on a l'huile dedans, on a tout ce qu'il faut. Par contre, je n'ai pas de liquide de refroidissement. Peut-être que je vais juste aller en récupérer. Voilà, ça c'est parfait ça. Ce que j'adore, c'est que c'est vite monté. Ça qui est cool. Alors je me mets sur la planche à roulette. Et du coup, voilà. Celles-là, elles vont tellement bien, vous avez vu, comparé à l'autre. Alors c'est quoi ce bruit? Ah, il flotte, ok, j'étais en train de me dire. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. Par contre, la ligne d'échappement, là, elle est manquante. Attends, je sais pas ce que c'est du coup. Alors je crois que j'ai pas les tuyaux de radiateur. Attendez, je regarde vite fait. Alors je crois que j'avais plus de tuyaux de radiateur, regardez. Non, sur le véhicule là, il va falloir que je rachète des tuyaux. Et sur celui-là, bah, du coup, ils ont été placés, je pense, hein, oui, automatiquement, vu qu'ils étaient montés. Donc il me faut juste des tuyaux de radiateur. Alors je vais partir avec celui-là du coup, hein, vu que lui, il est monté. Par contre, je crois pas qu'il y a du liquide de refroidissement. Et ici, j'en ai pas non plus. Donc ouais, je vais devoir marcher jusqu'en ville. Au moins récupérer un liquide de refroidissement. Donc c'est parti, hein. Une petite ellipse jusqu'en ville, je récupère ce qu'il faut les amis. On met le liquide, on repart du coup en ville pour acheter... Ah non, j'achète tout de suite sur place, bah oui, tant qu'à faire. Je crois que j'ai encore de l'argent en banque, si j'ai pas de bêtises. Donc nous verrons bien. Ok les amis, c'est le petit matin, par contre je n'ai plus de bière. Oh, c'est vide. C'est pas grave, je vais manger un morceau, déjà. Voilà, donc j'ai acheté ce qu'il fallait. Mais entre temps c'était la nuit, donc je voulais vous épargner tout ça, sinon vous ne verrez rien du tout. Donc on est parti pour installer les tuyaux de radiateur. Hop, sur le... Sur notre 4x4, hein, forcément. Alors attendez, je sais qu'il faut... Voilà. Une fois. Le deuxième, il est là. Et deux fois. Ça, c'est fait. Donc là, il n'y a rien besoin de rajouter. On avait tout ce qu'il fallait. Par contre, là, je me pose la question. Ouais, radiateur, on a dit que les tuyaux de radiateur étaient là. Oui, regardez, ils sont placés une fois, deux fois. Voilà. On entend bien. Bloup, bloup. C'est bon, c'est plein. On va faire un petit essai sur route pour voir, hein, comment qu'il se goupille celui-là. Je ne le connais pas du tout. Ça, par contre, je vais le ranger. Il y a encore toutes les pièces à ramener pour se faire de l'argent la prochaine fois. Comme ça, on se débarrasse de tout ça. Je fais un petit peu d'argent. On récupère le tabac. Comme ça, avec l'argent gagné, on montera certainement un biturbo dans celui-là ou bien un petit turbo dans celui-là. On verra selon mes moyens. Parce qu'actuellement, il me reste plus que 200$ en banque et 130 sur moi. Donc, ce n'est pas la joie. Alors, l'huile, on en avait parce que c'est le moteur qui était dans celui-là. Donc, pas de problème. Chaque fois, je m'effraie avec ce bruit. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Donc logiquement, il devrait démarrer. Alors attendez. Ah, la vitre, elle est bloquée. Est-ce qu'on peut rénover tout ça? Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on peut rénover? Alors. Tu démarres? Oh! Par contre, on a la réserve à lui. On va mettre un petit peu d'essence. Alors. Il y a un frein à main là-dessus? Alors attendez. Si ça se trouve, il manque des pièces en dessous, non? Alors attendez, si ça se trouve, il n'y a rien en dessous, je crois, pour avancer. Parce que du coup, il démarre. Certes, il démarre, mais il n'avance pas. La boîte de vitesse, elle n'est pas dessus, je crois. Hein. Alors, attendez, je suis pas sûr. Normalement, c'est celle-là, hein, du coup, la V8 transmission. J'ai l'impression qu'elle traverse entièrement le système-là. Ah! On n'a rien là-dedans. D'accord. Alors, vous savez ce qu'on va faire juste pour voir s'il fonctionne? Je vais récupérer sur le nôtre. Je le monte dessus parce que je vais au moins l'essayer sur route celui-là. Attendez, hop. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, logiquement, je peux prendre le mien. Ça devrait monter. Vu que ça a l'air d'être le même châssis, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais essayer de mettre ça là-dedans. De le remonter avec, limite, prendre mon cache s'il faut. Le différentiel, du coup. C'est bien ça. Hein. Je crois que c'est ça le nom exact. Je ne suis pas sûr. Comme ça, bien sûr, je positionne le cache et on devrait pouvoir. Ouais, voilà. On devrait pouvoir rouler ce magnifique pick-up rouillé. Après, je le trouve vraiment classe, vous voyez. Il est vraiment chouette comme ça. Le moteur aussi, quand on le démarre, je trouve ça assez stylé. Alors avant de remettre le cache, est-ce que tu démarres déjà comme ça? Enfin, est-ce que tu avances plutôt? Telle est la question. C'est pas toi, c'est toi. Alors ta trappe à essence, par contre, elle est où? Parce que c'est bien beau tout ça, mais une fois que je vais... Voilà, elle est là, de mon côté. Est-ce que c'est bon? Allez, on croise les doigts. Ça a démarré. Ah, magnifique, on va aller mettre de l'essence. Alors, est-ce qu'il y a un système de transmission de 4 roues motrices direct, celui-là? Je crois. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois. Et franchement, il est encore plus classe que le petit pick-up. Oh la vache, il est trop bien. Est-ce qu'il marche, celui-là? Bon, il y a encore 2-3 pièces à changer, mais ouais. Oh, ça avance plutôt pas mal.
Par contre, ça freine pas. Yep. Il freine très 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 mal. Oh la vache. Par contre, on entend à peine le moteur. Hein. Le moteur, on l'entend à peine. Pourquoi il freine pas là? Ah si, c'est bon, ça freine, je n'ai rien dit. Oh, je me suis effrayé à l'instant, je me suis dit, mais attends, on n'est pas dans My Summer Car, mais il devrait pas y avoir le système de frein. Alors, je vais mettre le plein, bien sûr. Alors, c'est dommage qu'il ronronne pas comme l'autre, on l'entend à peine. J'espère que ça va être amélioré, ça, parce que c'est un petit peu dommage. Donc, je mets de l'essence, bien sûr. Eh ouais, attends, viens, viens, viens. On va mettre un petit peu d'essence. Alors, je vais le tester peut-être à la montée où il y a le truc de bûcheron. Là, vous savez, où il y a la boue, juste pour voir comment il se comporte. Donc, on n'a pas les pneus boue, hein. On a encore les vieux pneus origine, forcément. Alors voilà, on va payer la demoiselle. Madame, bonjour. Par contre, attends, je te paye ça. Rah, 92. Et par contre, il me faut un petit pack de binous. S'il te plaît, voilà, 10 balles. Comme ça, j'ai ce qu'il faut à la maison. Et il faut encore à manger, par contre. Hein. Ça devient critique aussi, donc je vais acheter deux fois. Pas trop cher, s'il te plaît. 9. Ouais, merci. 9 balles, c'est bien. Ça me va. Allez, je mets ça à l'intérieur. Et franchement, encore une fois, il est stylé. Faut juste que je vois comment me débarrasser de la rouille. Est-ce qu'il faut qu'on rentre à l'autre maison en dessous? Je ne sais pas du tout. Dites-moi si vous savez comment retirer la rouille sur le jeu. Parce que si je vais les peindre, vous avez vu la dernière fois que quand on a fait le blanc, c'est pas très beau, vous voyez. C'est pas très lisse. Donc dites-moi si vous le savez. Par contre, ouais, mais il n'y a pas de phare, il n'y a rien en fait. Est-ce qu'il faut d'abord restaurer la carrosserie? Je me pose la question. Je me pose la question. Alors logiquement, on devrait plus avoir la réserve d'allumer. Alors, vous avez entendu, j'adore comment il ronronne au départ, mais après, je suis un petit peu triste. Du bruit parce qu'on l'entend même pas. Regardez, là, je suis à fond là. On l'entend pas trop. Mais je veux quand même voir comment il se comporte ici là. Pardon. Ah oui, excusez-moi monsieur. Bah oui, ça arrive. Hein. J'ai pas le permis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je suis désolé. Hein, c'est, je trouve pas les freins sur le camion. Du coup, je disais, c'est où que je peux monter? Attends, c'est là derrière. Pardon monsieur, excusez-moi. Je voilà. C'était là. C'était là qu'on monte. Je veux juste tester pour voir s'il est assez puissant que le nôtre. Donc je vais du côté de la forge. Est-ce qu'on a besoin d'activer quelque chose? On dirait pas. Non, c'est un petit pick-up énervé, ça. Hein, oh non, mais comme à rien, en fait. Alors là, je sais que là, c'est un petit peu... Non, mais regardez. Oh, super. Ouais, bon, d'accord, les freins... voilà. Je les trouve pas, c'est tout. J'appuie pas sur la bonne pédale. Mais honnêtement, il se roule très bien. Ben, ça, c'est parfait. Donc, encore une fois, dites-moi si vous savez comment enlever la rouille. Hein. Parce que j'ai quelques problèmes, vous avez vu. Pour l'enlever, je sais pas trop comment faire. Donc lui, on veut dire qu'il est à peu près fini. Enfin, il roule. Attends, la porte. Arrête, ferme. Voilà. Mais franchement, il roule très bien, regardez. On peut pas dire, hein, il avance très bien. Oh là, oh là, oh là. Mais ça manque de son, bien sûr. J'aurais bien voulu entendre mon bon gros V8 bien ronronné. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc voilà, on va rentrer. Je vais déposer mes courses. Oh là, l'aiguille, elle a fait un petit peu n'importe quoi. Je vais déposer mes courses, les amis. La prochaine fois, comme je vous l'ai dit, on essaiera peut-être de monter... Ouais, je sais pas si je fais le type biturbo ou pas. Dites-moi en l'espace commentaire. Ça pourrait être fun. On équipe les véhicules de turbo. Il va falloir que je bosse de mon côté pour gagner de l'argent. Forcément, je vais vous épargner tout ça encore une fois parce qu'on l'a déjà vu des milliers de fois sur ce jeu. J'ai pas envie de faire trop souvent la même chose, sinon vous allez plus trop aimer, hein, forcément. Donc, ouais, les amis, j'attends vos retours avec impatience. En tout cas, je suis content de vous dire que ce pick-up roule. Par contre, il va falloir que je récupère un système de transmission pour celui-là, ou pour l'ancien, peu importe. Vous voyez, donc ça, je le mettrai sur le pont, certainement. Parce que, ben, comme vous l'avez vu, j'ai récupéré du vieux, pour mettre, enfin, du neutre pour mettre sur le vieux. Et du coup, ça m'embête un peu, parce qu'il va falloir donc que je... J'ai mis où le cache, par contre? Que je rachète tout ça. Ah ouais, j'ai démonté le cache, mais... Attends, j'ai peut-être laissé en dessous, non? Oh, il est là. Il est là. Donc, au pire, ouais, je rachèterai ce qu'il faut. Donc, c'est quoi, toi? Je vais même pas. Non, je vais le remettre. Ouais, je vais le mettre au pick-up noir. Je m'en sors plus avec les pick-up. Comme ça, du coup, je vous dis à la prochaine fois. Peut-être monter un turbo ou bien s'occuper de notre plantation de tabac. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas retourné depuis. Je vous ai juste dit que ce n'est pas encore prêt, forcément. Et le cache. C'est pas possible. Mais les gars, je deviens fou. Comment que ça se passe là? Il est où le cache? J'ai dit que... Oh. Ah bah je... Je vous jure que je trouve... je trouve plus le cas. Je vous ai pas me dire qu'il a traversé le sol? Non. Non. Vous avez pas me dire ça quand même. Au pire, ça fait rien. Je rachèterai ce qu'il faut, les amis. Je vais pas m'attarder là-dessus. Ça me paraît trop bizarre. J'étais sûr de l'avoir posé sur le sol, non? J'ai pas mis à l'arrière quand même? Non, bon.
Ok, amis, donc voilà, la prochaine fois, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, un petit biturbo dans celui-là. Mais avant ça, j'aimerais bien le retaper un petit peu. Elle est mal fermée à la porte là. Voilà, elle le retape un petit peu parce qu'il est très moche comme ça. Il faudrait également changer des pneus. Oui, ça c'est le petit accrochage qu'on a eu avant, rien de méchant. Voilà, donc du coup, le retape un petit peu, changer les pneus, comme je vous l'ai dit, mettre un biturbo dans celui-là, mettre le turbo standard parce qu'on l'a jamais essayé. Ça pourrait être une idée. Par contre, sur celui-là, je pense installer aussi le système de treuil, comme ça, si je suis embourbé ou quoi, je m'accroche à un arbre et on est parti. Donc j'ai encore pas mal d'idées, encore 2-3 bons épisodes à vous proposer avant les prochaines mises à jour, si vous êtes intéressé encore une fois. Donc voilà, si vous êtes intéressé, faites-le-moi savoir avec votre plus gros like, les amis. L'abonnement c'est pas fait, et moi je vous dis au 80 pour nos aventures. Portez-vous bien et à plus. Allez, gros bisous, ciao ciao. Ah oui, faut que je range mes courses moi.